comprends plus rien. Bon, j'enlève acrobate alors. Ou alors acrobate c'est un truc, faut que j'ai un truc de speed là-dedans quoi. Oi oi oi, et sinon ça me donne quoi? Ça rend plus facile de faire des coups critiques quand la vie est à fond. Mais j'ai les pires trucs en vrai. Hein. Les bonus sont beaucoup moins bien qu'avant. Mais bon, on va essayer d'améliorer d'autres... d'autres Mitama que ceux qu'on avait déjà. Pas de soucis, je le vis bien. Un peu moins efficace. Oh là, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Au final, on aura fait 20 minutes d'organisation des Mitama pour pas grand-chose. On dirait que vous autres, utilisateurs de Machina, vous multipliez. Yakumo, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en état d'urgence, Benizuki. Un nombre sans fin de Oni, venus du nord, sont en train d'arriver plus au sud. Il y a de larges Oni avec eux également. Nous formons une ligne de défense. Juste au-delà de la sortie des mines. Benizuki, tu es connu pour être la plus forte du village. J'aimerais te demander ton aide. Les samouraïs sont partis pour une mission. Nous allons devoir nous débrouiller tout seuls. Je comprends. Il n'y a pas de temps à perdre, Yakumo. Au rapport, au rapport. Nous avons de gros ennuis. Le fort du sud est sous l'attaque des Oni. Quoi? Combien? Trois gros Oni. Et beaucoup trop de petits pour qu'on puisse les compter. Impossible. Une attaque de percée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu peux t'occuper du fort, Slayer? Nous allons nous occuper du nord. Je te laisse le sud. Je sais que tu peux le faire. Il semblerait que ce soit notre seule option. J'irai avec toi. Ce serait beaucoup trop dangereux tout seul. Merci. Je sais que je peux vous faire confiance pour ça. Professeur, Tokizuku, vous venez avec moi. Nous allons avoir besoin de votre force. On dirait qu'on a un plan. En avant, Tokizuku. Le héros est avec vous. Slayer, juste au cas où, laisse-moi te donner ça. Donc on a reçu quelques Demon Hands. Donne-les aux personnes qui ont l'air de pouvoir les utiliser. Ce n'est pas le moment de réduire notre force de frappe. Tu pourras décider qui sont les meilleurs candidats. Contente-toi de ne pas faire rater tout ça, Machina User. Enfin, utilisateur de Machina. S'ils le brisent, le fort, alors ils seront pratiquement à l'intérieur du village. Tu dois tenir contre cette attaque. Bien que Tsubaki soit également là-bas, le fort... Cependant, Tsubaki est également là-bas. Le fort ne tombera pas facilement. Il est temps de mériter ton nom, Slayer. Enfin, il est temps de mériter votre nom plutôt, Slayer. Préparez-vous à bouger. C'est l'appel du devoir. L'appel du devoir. Oh, on m'a même mis à la porte et tout. Parlez avec Yakumo. Allons au fort. Je suis avec toi, Slayer. Très bien. Donc on est avec uniquement Gwen. Pas pour ça, les deux utilisateurs d'épée bouclier. Il faut que je me souvienne que là on est de type rapidité maintenant. J'ai bien choisi mon moment, hein, juste avant une grosse opération. Changer de Mitama comme ça. Énergie, agilité, vigueur. Vigueur c'était un truc de healing, non? Attendez, je regarde vite off les compétences. Parce que finalement, ça a peut-être changé les trucs. Augmente la rapidité de déplacement et la rapidité de regain, de jauge de focus. Ça permet d'éviter une attaque une fois. Augmente la vitesse d'attaque et réduit la quantité de focus consommée. D'accord. J'ai un disparu qu'avant. Non, il y en a déjà autant. J'entends des bruits qui viennent de l'intérieur. Des gens sont en train de se battre. À l'ouest, Slayer. Le bruit vient du côté ouest de la forteresse.
Daigling, donne-moi la force. Je sais pas qui c'est, mais ok. On arrive presque. Oh la vache. À nouveau. Dieu merci. As-tu encore envie? Ah, celle Tsubaki. On ne la connaît pas, je crois. Ah, vous avez pris votre temps. On s'appelle... On fait encore genre, on est chef d'unité, Yakumo? Ah, vous êtes qui, vous? Ah, nous sommes pas Yakumo, pour commencer. Ah, mais tu tournes ton dos à l'ennemi, toi. Ah, ça, je peux m'en rendre compte. Ah, on s'en fiche. Aidez-moi. Voilà pourquoi nous sommes là. Ah, ça doit être lui, Yakumo. Ah, tu as un samouraï? Ah non, lui, c'est Kamuna. Ah, ils arrivent. Les yeux droit devant. Ah, bon bah on a des alliés en plus. Ah, pourquoi est-ce qu'un samouraï est ici? Qu'est-ce qui s'est passé au renfort venu de la garde? Ah, il s'avère que j'étais dans le village. Il n'y a personne d'autre qui arrive. Il va falloir faire ce combat juste avec les effectifs que nous avons. Ah, il y a des Oni qui viennent du nord également. La garde est en train de les combattre. Ah, une attaque de l'heure. Ah, c'est une bien plus grande stratégie que ce que j'aurais pu croire du côté des Oni. Ah, ils sont si forts. Ah, juste avec nous trois. Ah, très bien. Ah, je peux oublier de mes plaintes pour aujourd'hui. Je peux pas lire en même temps que je joue, c'est compliqué. Ah, tu es un Makina user, pas vrai? Ah, tu es fort. J'aimerais m'entraîner avec toi une fois que ce sera l'heure. Ah, beau travail, Slayer. Ah, finissons-le. J'arrive pas à suivre, je suis désolé, c'est trop compliqué là. Demon Hand inventé par le professeur, t'inquiète pas. Ah, ce n'est pas dangereux. Donc là, on refile des Demon Hand, c'est ça? Ah, parfait. Ah, lançons une attaque concentrée. Du moins, j'espère que ce n'est pas dangereux. Qu'est-ce que tu dis? Tu espères que ce n'est pas dangereux? Ah, ça a l'air incroyablement dangereux. Attention, Rampage. Donc Fura. Bon, je suis désolé, là, le discours, enfin le dialogue a été très difficile. Il y a plein de personnages, plein de trucs en même temps. Il a l'air complètement con. Oh, il est parfait. Mais ouais, se battre en même temps d'un... En même temps, se battre sur un Oni qu'on ne connaît pas plus... Il n'y a pas de morceau, lui. D'accord, c'est un mec moyen, en fait. Ah bah. Tout en faisant en sorte de lire un minimum le dialogue, là. C'est compliqué. Ça, malheureusement, ils ne l'ont pas amélioré. C'était le chaos. D'un point de vue narratif, c'était le chaos. Je suis peut-être petit, mais je peux aider. Allez, en enfer. Il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles je devrais me repentir. Oh la vache. C'est le nouveau mec qui se repentit, le samouraï. Là. Mais c'est pour ça qu'il est... Non, c'est pas lui. C'est l'autre qui est type support. Je me tais, je ne sais plus ce que je dis. Merci, à vous trois. Vous nous avez sauvé la vie. Je suis juste contente que nous soyons arrivés à temps. Est-ce que tous les autres vont bien? Beaucoup ont des blessures mineures, mais tout le monde est en vie. Bien, contente d'entendre ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer au nord? La garde devrait avoir la situation sous contrôle, ne t'inquiète pas. Benizuki est avec eux. Benizuki? Voilà qui est rassurant. Je suis Tsubaki, membre de la garde. Qui es-tu? Je suis Gwendoline. Ah, tu peux m'appeler Gwen. Oh, c'est un nom bizarre. Ah, tu viens d'au-delà des mers? Oh, je viens d'Angleterre.
C'est une histoire un petit peu longue, mais j'aide le professeur. Et ceci est... Slayer. Tu es Slayer. Tu as sauvé un garde récemment, n'est-ce pas? Tout le monde en parle. Alors c'était toi. Tout commence à faire sens. Tu n'es pas la seule... Tu n'es pas la seule personne forte aux alentours, cependant. J'ai monté les rangs jusqu'au sommet de ma classe d'entraînement au Holy Mount. Je fais partie de l'élite. Les actions parlent plus que les mots. Quoi qu'il en soit. Souviens-toi de mon nom, s'il te plaît. Utilisateur de Makina. Tsubaki, donc. Je peux rien promettre, mais je vais essayer. C'était plus simple que ce que je pensais. Tu aurais pu être un petit peu plus résistante. Attends. Où est-ce que tu vas? Je vais chasser ceux qui sont partis. Alors que je venais, j'en ai vu qui s'échappaient. Ils bougeaient comme des éclaireurs. Je dois les vaincre avant qu'ils ne puissent appeler plus de Oni. Tu vas tout seul dans l'Otherworld? Tu peux pas, tu vas mourir. Non. Je suis le plus fort. T'as l'air complètement fou. Quel est ton nom? Fier samouraï. Kamuna. J'ai entendu ce nom. L'un des samouraïs les plus forts. Du moins, c'est ce qu'on dit. Mais vous ne vous êtes jamais rencontrés auparavant? Je veux dire, je l'ai vu de temps en temps. Mais c'est tout. C'est comme ça que se passent les choses entre gardes et samouraïs. Quoi qu'il en soit, il est trop dangereux de partir seul. Comment est-ce que tu comptes les rechercher? Tu sais, juste regarder aux alentours. Ridicule. Tu es peut-être fort. Est-ce que tu as un cerveau aussi? Tu parles trop. Si nous les laissons tranquilles, alors ils ramèneront plus de Oni. Bon, tu peux avoir raison à propos de ça. Il y a un moyen, Slayer. Utilisez Demon Hand. J'ai entendu la manière avec laquelle elle était capable de matérialiser les pistes laissées par les Oni. Il y a encore... on a encore un petit peu de temps pour pouvoir les rattraper. Nous avons les Demon Hands que le professeur nous a donné aussi. Donnons-en à ces deux-là. Alors on ne pourra sûrement pas perdre. Attends, de quoi est-ce que vous parlez? Suivre les traces de Oni avec la Demon Hand? Je ne comprends pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai dit à propos des actions? Essaie toi-même et tu verras. Ça a l'air très intéressant. Hey, sois un peu plus hésitant au moins. Alors, très bien, très bien. Donne-moi ça et essayons d'utiliser. Très bien. Donne ta main. Attention, si tu essaies de l'enlever, ça explose, on rappelle. Voilà qui devrait faire l'affaire. Je me sens pas vraiment contente à propos de tout ça. Une Demon Hand. Ça n'a pas l'air si spécial. Bon, finissons-en. Et allons faire ensuite notre rapport au village. Je vais montrer à cette tête de mule ce que je sais faire. Tête de mule? Tu veux dire Yakumo? Hein? Ah oui, non, moi je disais tête de mule, mais c'est plutôt tête de... C'est quoi un peacock? J'ai tenté, hein. Parce qu'au final, ça parle des cheveux du chef de la garde. Peacock. Ah, cette tête de pan. Je vais montrer à cette tête de pan ce dont je suis capable de faire. Cette tête de pan, tu veux dire Yakumo? Alors, il peut faire la roue avec ses cheveux comme si c'était une queue de pan. Oui. Et il peut aussi faire le... Enfin, il peut aussi piailler comme un pan. Ah bon sang, mais arrête d'imaginer des trucs bizarres. Tu ne faisais que plaisanter. Mais ça aurait été tellement bien. Je pense qu'on a des définitions très différentes de ce mot. Ça aurait été cool, en vrai, quitte à avoir des cheveux comme ça. Âge de l'honneur, grand tunnel.
Alors, l'œil de la vérité. Y'a plus de traces? Je suis tombé de chemin déjà? Y'a pas de traces. Y'avait des traces avant. Là ici, y'a des traces. Peut-être par là? J'ai une trace quelque part et j'en ai plus ailleurs. Oups. Je peux pas utiliser la main. Ah. Ok. Ah, peut-être qu'il faut que j'interagisse avec la trace. Voilà. Ouais, maintenant il y en a plein. Ah, je ne peux pas y croire. Ah, je peux vraiment voir les traces du Oni. Se rend vers le sud. Suivez-les. Dis, le professeur a fait ses mains du démon, n'est-ce pas? Elle a des machinas qui se déplacent avec elle. Alors, je pensais pas qu'elle pouvait être... j'ai pas lu la suite. Mais qui est-elle? J'ai du mal avec les dialogues, là. Clairement. Clairement, j'ai du mal. Comment est-ce qu'on va par là? Ah, comme ça. En fait, ça me consomme pas de l'endurance, mais ça m'empêche d'en gagner. Et de la vérité. Intéressant. Voilà, je voulais faire ça. Histoire de choper un nouveau Slayer. Oula, oula, oula. C'est terrible. Ok, merci. Plus. Toujours sympathique. Alors, les traces. Bon, ça va par là. Ah oui, ça part en face. Bonjour. Un canidémon. On va faire la tornade, là. Nice.